Ouais, c'est sûr que ça change bien, on a changé d'équipement. Et le fait aussi, l'ambiance, on va dire, d'être en ville comme ça avant la compétition et pendant la compétition, ça change de d'habitude. Mais c'est vrai que c'est super intéressant aussi d'être là. Et même au niveau des participations, je crois que ça va être un peu un record cette année. Le fait d'être en Europe, ça fait venir beaucoup plus de pays, je pense. C'est beaucoup plus accessible. Donc, et puis bah, après, pour nous, techniquement, c'est de l'eau plate là pour la longue distance, donc bien différent de ce qu'on peut faire en Europe d'habitude. T'es sur l'eau là avec toute l'équipe d'ailleurs, hein, même les subsurfeurs sont venus un peu se faire tourner les bras sur l'eau, et nous on a reconnu le parcours, c'est simple, c'est une boucle qu'il va falloir faire plusieurs fois. Donc à mon avis ça va être pas mal de draft et des essais d'échapper un petit peu tout le long du parcours. Donc il faudra qu'on soit vigilant pour laisser partir personne. Et puis peut-être à nous aussi voilà, de créer des surprises à des moments. Et c'est vrai que ça va être. Il y a un bon niveau, donc à mon avis ça va être un gros paquet de gars devant au draft. Ouais. Je pense qu'avec Arthur on a plutôt intérêt à ramer vraiment intelligemment et ensemble. Et on verra après, on va dire au plus près de la compétition, ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec les conditions du jour aussi. Parce que c'est vrai que il y a une partie du parcours qui est un endroit un peu plus large, et s'il y a beaucoup de vent, à mon avis, ça peut créer des clapots et ça peut être là l'endroit où il faudra faire la différence. Je me sens plutôt bien. Arthur, il a l'air d'aller bien aussi. On a fait les tests ce matin aux 200 mètres, donc ça va être Arthur qui va s'aligner sur les sprints. Il a l'air bien en forme. Et les filles aussi, là, on a la chance d'avoir deux filles de bon niveau en race. Olivia et Amandine là, et sur l'eau elles sont bien préparées cet été, elles sont restées en Europe là pour préparer ce mondial. Et puis on verra voilà, tout le groupe, on a Flora et Chouchou qui vont assurer le coup en prone pour ce début de compétition ici à Copenhague. Ouais, on a fait le speech hier, et c'est vrai qu'au vu de l'équipe, au vu des autres équipes, on a tout intérêt à avoir pour objectif de terminer dans les premiers. On fait deuxième l'an dernier, il y a un peu moins de prone dans les équipes cette année, donc c'est à notre avantage. Et on a des bons en prone aussi pour nous, donc il y a tout qui est réuni pour faire quelque chose. On a les bons athlètes, on est bien préparés, on a tout l'encadrement autour. Il n'y a pas vraiment de surprise de plan d'eau. Les vagues, ça va peut-être être plus compliqué pour les subsurfeurs, mais c'est des conditions qui peuvent retrouver en France. Donc ouais, y a, pour l'instant, on a tout pour, et donc à nous de faire le job pour y réussir. Ouais.